Qu'est-ce qu'elle avait envie de raconter cette chanson, Catherine Ringer? Ben, normalement, on l'écoute et puis voilà quoi. Elle parle de la des difficultés sexuelles en fait. Puisqu'on est maintenant là, on a fait MeToo et tout ça, donc moi j'ai eu toute une adolescence de 13 à 20 ans très difficile, où j'étais un peu, comme on dit, victime d'un pervers narcissique, ce qui m'a fait faire beaucoup de choses, dont le porno, tas de trucs comme ça. Il m'a fait lire Emmanuel, il m'a donné à d'un vieux mec de 50 ans et tout ça. Et ça a engendré une espèce de... Ben, comme on dit, on se coupe de son corps, pour pouvoir vivre tout ça. Et c'est de ça que ça parle, cette chanson, en fait. C'est pas facile à dire, mais je me dis, allez, je le dis maintenant. Ah là 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 là, quoi. Vous voyez, ouais, et c'est bien. Comme ça, voilà. Vous dites MeToo. Ben, c'est-à-dire que ça m'a servi, ce mouvement MeToo aussi, de pouvoir parler de tout ça, parce que je le cachais, j'en avais honte, je voulais pas rien savoir, et je le disais en chanson, mais je l'avais jamais dit comme ça, clairement. Et comme maintenant, c'est la période où on le dit, les femmes, et les hommes aussi d'ailleurs, parce que ce pervers narcissique là, lui, là, il avait passé toute son enfance chez les jésuites, où il s'était fait bien tripoté et tout ça par certains curés, et je pense que ça avait dû lui formater l'esprit aussi, enfin c'est toute une suite.